Dans ma pensée, c'est celle-ci. Quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le moment de Dieu, quand tu entres en action, il y a la différence. Parce qu'avant que tu entres en action, c'est le temps du diable. Et quand le diable entre en action, même les gens sur qui tu vas régner, les gens qui seront tes serviteurs, qui vont t'aimer, qui vont te chérir, qui vont te soutenir, qui vont soutenir ton ministère, ce sont ceux-là qui vont te haïr, qui vont te rejeter, qui vont te détester, qui vont parler du mal contre toi. Mais quand c'est le temps de Dieu, les mêmes personnes qui vont revenir pour te louer, pour t'élever, pour te servir, ils seront fidèles envers toi. Et très souvent, ne juge pas les gens par leur passé. Non, c'est souvent l'influence. Si c'est l'influence du diable, la personne ne saisit pas la volonté de Dieu, il combat la volonté de Dieu. Quand elle est sous l'influence du Saint-Esprit, l'influence de Dieu, la personne saisit la pensée de Dieu et il soutient. Revenons un peu dans la Bible. Joseph, qui, dans sa vision, la vision montrait qu'il était une étoile et que ses frères aussi étaient des étoiles. Tu vois, or, ce frère n'arrivait pas à comprendre que ça ne disait pas, la vision ne voulait pas dire qu'il s'est rejeté. Tu vois, et aussi, ils étaient des étoiles. La Bible dit que nous, les fils de Dieu, nous sommes des étoiles, c'est-à-dire des lumières qui doivent briller. Quand Joseph est devenu premier ministre, qui ont été élus comme des ministres? Ce sont ses frères, le même frère qui ont vendu Joseph, rejeté Joseph, qui ont cherché à tuer Joseph, c'est les mêmes personnes qui sont venues s'asseoir avec Joseph dans la gloire. Donc, et Joseph ne s'est pas souvenu de cela, il n'a pas haï ce frère à cause de ça. Donc tu vois, donc ce sont des choses qui arrivent. Pierre qui a marché avec Jésus, Pierre qui était l'apôtre bien-aimé de Jésus, avec Pierre, Jean, Pierre qui était le chef même à qui le Seigneur avait remis la clé. Mais quand celui-là croit, quand c'était le temps du diable, Pierre a rejeté Jésus-Christ. Mais quand c'était le moment de Dieu, Jésus est venu, sa résurrection, il a dit Pierre, quand tu vas te repentir, affermis tes frères. C'est ça.